Bienvenue sur le journal du Grand Nord avec votre présentatrice préférée, Maman Grand Nord alias La Demi. Attention, aujourd'hui il y a encore du lourd pour vous. Voici le titre. Au sommaire de l'information, attendez, j'aime trop la phrase là. Au sommaire de l'information, nous allons parler du statut de l'artiste qui est revendiqué au Gabon. Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de statut. Ensuite, on va parler de l'addiction, c'est pour le coin. Tu es toujours là, c'est la deuxième fois. Je l'ai déjà remarqué, hein, il faut les attraper. C'est la deuxième fois. Attends, s'il n'y a pas de souci, maintenant c'est là. Tout à l'heure, c'est toi et moi. One Burkabi avant. Ne bouge pas. L'addition, même si c'est l'addition, la multiplication au téléphone, on s'en fout. Et sans ça, c'est que les enfants sont sur le téléphone toujours. Vous tombez, toi-même, tu fais ça ici. Alors, à propos du premier titre, moi-même, je ne comprends pas. Statut de l'artiste. Statut de l'artiste à gauche, statut à droite, devant, on ne comprend plus rien. Moi-même, je connais que statut, c'est le jeu que nous tous on jouait quand on était petit. Moi-même, maman, quand on est champion au jeu là, quand j'arrive, je te touche, oh, tu restes statut. Oh, tu restes statut. Oh, tu restes statut. Champion, je pouvais laisser quelqu'un statut pendant 2 heures de temps. Si tu bouges, je te passe temps. Eh, mon Dieu, c'était le bon temps. C'était le très bon temps. Maintenant, aujourd'hui, vous faites le bruit, les artistes font le bruit. Statut, à cause d'un jeu. Je ne comprends pas, vous voulez encore jouer à votre âge. Bon, en tout cas, par rapport à ça, j'ai envoyé mon représentant personnel, l'homme sans frontières, le tout beau, le tout mignon, Rigobert Mbalambala Ousmane. Ici Rigobert Mbalambala Ousmane. Depuis des années et des années, la situation des artistes ne cesse d'empirer. Alors, c'est pour ça que nous sommes chez M. Rodrigue Ngazouala pour avoir plus de précisions à ce sujet. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour. La situation de l'artiste, parlez-nous-en. Écoutez, l'être humain est ingrat. L'être humain est très ingrat. Pendant la période de Corona, nous les artistes, nous sommes là. On n'a même pas de quoi mettre quelque chose sous la dent. Il n'y a pas un petit gombo. Rien, mais lorsqu'il s'agit des anniversaires, lorsqu'il s'agit des mariages, là on est fort pour appeler l'artiste. Même dans les décès, on est là. C'est pas dans les décès on écoute les chansons de Serge Niga. Serge Niga, c'est pas un artiste. C'est pas un grand talent. Mais je vous préviens, je ne suis pas dans vos mascarades là, parce que j'ai vu des gens qui sont partis s'asseoir pour parler. Oh non, on est là pour parler de l'artiste. Encore, on est là pour représenter les artistes. C'est du n'importe quoi. Dans 2-3 matins, ils vont prendre l'argent et fuir. Après, on va les voir avec des nouvelles voitures, des nouvelles maisons. Hein? Et le statut de l'artiste dans tout ça. On doit nous valoriser. Il faut que l'artiste ait un statut. Et j'ai même un message pour nos frères, nos frères artistes, très chers frères. Apprenons à être solidaires. N'oubliez pas que l'union fait la force, les amis. L'union fait la force. Alors merci, monsieur Robert. Nous espérons que le message est correctement passé auprès des artistes et auprès de la population. À vous, les studios. Eh, tout le statut, il dit, on ne veut pas vous respecter, vous faites quoi même? Pour moi, statut, je pensais que c'était les statuts qu'on jouait avant, les statuts. Bon. Passons dans l'addiction du téléphone, comme je vous ai annoncé, qui est quand même, c'est un sujet quand même vraiment. Je vous dis que c'est quelque chose de très grave. Les enfants d'aujourd'hui, il ne faut pas téléphoner, t'es bobo. Jusqu'aujourd'hui, il a mal au tympan. Les chiffres que j'ai donnés à Bobo, et qui est mon Dieu. J'arrive, je dis à Bobo que Bobo, s'il te plaît, prends les derniers 700 qui me restent, je donne à Bobo, je dis que Bobo, pardon. Va m'acheter la boîte maquereau sur le boutiquet. Bon, va sur le boutiquet, il revient, il m'amène la boîte de préservatif qui est intéressant. Attends, il n'a pas vu ça venir. Et boum, va me donner un kiff là. Est-ce que comme ça c'est bien? On te dit un truc au téléphone, on te dit comme ça, téléphone. Je te dis X, toi tu réponds 6. Est-ce que comme ça c'est bien?
C'est pour ça que j'envoyais toujours mon reporter préféré, Rigobert Mbalambala, au Swan pour aller sur le terrain pallier à cette question. Mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Rigobert Mbalambala au Swan, l'homme sans frontières. Voici que pour le journal du Grand Nord, nous avons été appelés d'urgence sur un fait divers. Un couple, encore une fois, s'est disputé pour une affaire de téléphone. Nous allons nous rapprocher d'eux pour en savoir un peu plus sur la situation. Monsieur, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, calmez-vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Vous avez frappé sur votre femme à cause d'un téléphone. Donnez-nous un peu plus d'informations, s'il vous plaît. Moi, je suis au travail. Quand je rentre à la maison, je rentre dans la chambre de l'enfant, l'enfant est évanoui. Je touche le cœur de l'enfant, coucou, ça bat, je coupe le ventre, c'est j'ai senti, l'enfant là, il a faim. Quand je m'en vais à la cuisine, j'essaie de faire sauter quelque chose rapidement pour qu'il mange. Je vois comme ça, il mange. L'enfant, l'esprit commence à revenir. Mais non, après, non. Qu'est-ce que ça m'a fait? Quand je me vais au salon, tout à coup, je vois la grande dame, elle est là, pépère, elle s'en fout, elle est là. Sur son téléphone. WhatsApp, tous les jours. Aux toilettes, dans le téléphone. À la cuisine, dans le téléphone. À la chambre, dans le téléphone. À minuit, dans le téléphone. Moi, je vais finir avec elle aujourd'hui. Non, monsieur, calmez-vous. Nous allons essayer. Nous allons essayer d'avoir sa version des faits, monsieur. Calmez-vous. Madame, bonjour. Ne vous inquiétez pas. Madame, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications sur ce qui se passe réellement? Moi, l'affaire là, je ne comprends même pas. En fait, ça a commencé comment? J'étais sur Facebook. Et sur Facebook, je suis tombée sur le profil de Serge Ndiengui. Serge Ndiengui, c'est un ami de Pukala. On a fait la sixième ensemble. Si je ne me trompe pas, jusqu'en première. Nous étions dans la même classe. Vous voyez un peu, non? Et c'est comme ça que j'ai décidé de cliquer sur le profil de Ndiengui. Je constate qu'il est avec Mamina. Mamina, c'est aussi une collègue, une copine de depuis la seconde. Vous voyez? Donc depuis la seconde, on s'était juste perdu de vue. Donc je clique aussi sur son profil. Mais là-bas, je tombe un peu sur des pubs, des liens et tout ça. Vous savez que nous, les femmes, on aime regarder les pubs, histoire comme ça de regarder un peu ce qui nous intéresse. Peut-être que je pouvais commander une nouvelle perruque. Et là, j'atterris sur YouTube. Quand j'atterris sur YouTube, pendant que je regarde ça, Ndiengui m'envoie un message sur mon messenger pour me dire « Est-ce qu'on peut passer sur WhatsApp ?» Pendant ce temps, j'entends ce mot « Ouh !» La gifle. Franchement, l'enfant là n'avait pas la bouche pour parler. Comment je pouvais imaginer que cet enfant avait faim? Madame. Je ne pouvais pas imaginer que l'enfant avait faim. Il ne sait plus parler. Mon Dieu. Votre téléphone dit, hein. Regardez comment les enfants se gaspillent. Faut votre téléphone, on te pose même la question. Faut votre téléphone, au téléphone. Qui est, mon Dieu? Où est mon robot, ya? Où est mon robot pour rien? Intéressant. Vous-même là-bas. Mesdames et messieurs, le journal continue avec ma chère, ma bien-aimée, ma petite fille de cœur. Mesdames et messieurs, on va de météo. Bonjour à tous. Bienvenue à la météo du journal du Grand Nord. C'est moi, Miss Météo. Donc, cette fois-ci, dans l'Est hier, vous aussi, pensez quand même aux autres. En fait, il y a des personnes de la population qui ont versé le sel au milieu du feu de bois et s'entraîner de fortes pluies, vous aussi. Pensez à nous qui habitons vraiment, c'est pas bien. Dans le Grand Nord, le vent suit la direction des Porcs-Épics. À cela, les chasseurs ont dévié la direction des Porcs-Épics et ils ont entraîné un vent contraire. Dans le Haut-Ogooué, en fait, les populations sont tristes depuis un certain temps parce qu'un enfant a montré le doigt à la cancelle et le doigt a été coupé. C'est-à-dire que le temps est vraiment menaçant. Et dans le reste du Gabon, restez concentrés. Merci. Après la météo, mesdames et messieurs, maman Grand Nord, alias la dernière, je vais devoir vous laisser, mais n'oubliez pas ceci. Si tu as vu l'oiseau voler dans les airs, c'est qu'il a chaud.